C'est fou quand même le poids d'une marque. Hein. Parce que 2 millions pour une voiture comme ça, Bugatti, t'as vu le prix qui te sortent? 2 millions, t'as plus une Chiron, c'est fini. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est quoi? C'est 3 millions et demi Pff, début. ouais, un truc comme ça. Encore la Chiron, après il y a toutes les éditions spéciales, 4 millions, 6 millions, 8 millions. Et puis tu sors des voitures comme ça, 2 millions, ils sont bien une catégorie en dessous. Est-ce qu'il y a autre chose que la marque qui justifie le prix, tu penses? Parce que c'est exceptionnel, un moteur de Ouais, mais F1 c'est dans vrai que. une voiture, c'est juste Ouais, malade. ouais, C'est ouais mais vrai. cette Bon, ça ne doit voiture, pas elle est être dingue. hyper fiable non plus, comme on disait tout à l'heure, Ouais, mais exact. c'est Mais c'est exceptionnel, je vrai que trouve. Bugatti, c'est quand même un niveau. Moi, j'ai senti ça quand j'ai fait la vidéo avec la Bugatti. Quand t'es dedans, tu te dis, ah ouais, ok, là je suis en Chiron, quoi. Mais vous savez, celle qu'on a vue la dernière fois, c'était une édition spéciale, la Green Rhapsody, elle s'appelait. Vous vous rappelez quand l'histoire, on l'avait dit Ouais. sur ce podcast, on était. Ah non, Là, si, t'étais pas avec nous. Non, il y avait Ok, t'étais Lucas. pas avec nous. Il y avait Non, Lucas, cette on fois-là. était au casino, là, au supermarché. Et une Bugatti qui passe, on l'a regardée, on l'a fait, oula, ça c'était un truc spécial. Et c'était Green Rhapsody, une 101, pure sport, chrome et carbone vert. Ouf. Tu Et passes à c'est côté l'argent de que ça vaut, toi, ça. genre. Ouais. Ouais, ça, je sais pas C'est combien ça vaut. Et fou. tu sais que j'ai su, après, je crois que le propriétaire de cette voiture a 11 ou 12 Bugatti. Donc, il voulait toutes les éditions spéciales. Il C'est voulait ce qu'il toutes faut. les éditions spéciales de Veyron, je crois. Un truc du genre. Et je crois qu'il a deux ou trois Chirons. Mais donc, il a plusieurs. C'est Soutil. Adrian Ah Soutil, ouais? l'ex-pilote de Mais F1. non. Il Ah, fait quoi dans la waouh. vie maintenant? Ben, je sais pas, mais il a une Stirling Moss, Il a il a une une Regera. Pagani Huayra. Il a. Mais c'est vrai qu'il avait une Regera, il avait une Agüero, il a enfin tout, et à Monaco. Il est gare à Monaco. Ouais, Il l'a fait à c'est un Harry Aperta, il président. l'a fait à Harry Coupé. En même temps, il n'y a pas plus sûr qu'à Monaco, hein, je pense.